Nous avons inversé les 8 premiers de la course d'hier pour former la grille de la course de sprint d'aujourd'hui. Les pilotes sont presque prêts pour le départ. Ici Alex Jack, depuis la cabine des commentaires, et j'ai le plaisir de recevoir avec moi le champion de GP2 2012, le grand Davide Valsecchi. Davide, que se passe-t-il dans la tête des pilotes en piste? Ils ont tous le même rêve, Alex. Celui de se faire remarquer sur le circuit pour grimper en Formule 1. C'est l'objectif ultime. Mais avant d'y parvenir, ils vont devoir remporter ce championnat. Les monoplaces sont identiques et aucun pilote n'a d'avantage technologique. Ici, ce qui compte, c'est le talent à l'état pur. Ils vont devoir montrer ce qu'ils ont dans le ventre à chaque virage et pousser leurs pneus un peu trop à l'occasion. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Très belle victoire pour l'écurie Préma aujourd'hui. D'après vous, Davide,
À quoi peut-on attribuer cette victoire ? La voiture de sécurité a tout chamboulé aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. Enfin, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais sans elle, la course aurait été différente, et probablement le podium également. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il est sorti de cette situation dans une position favorable. La voiture de sécurité a ce pouvoir de renverser une course. Alors que nous repensons à cette course palpitante, nous pouvons voir les pilotes qui prennent place sur le podium. Et c'est un podium qui ne change pas beaucoup avec une nouvelle victoire en F2 pour Préma. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Kalam Aylott prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? Passons donc aux écuries. Univirtuosi creuse l'écart au sommet du classement. Merci d'avoir été des nôtres pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu et que vous vous en souviendrez. À très vite !